Alors, quelques jours se sont passés depuis le tournage de la première partie. Je me suis entraîné comme un zinzin pendant des heures pour monter mon équipe de niveau afin de pouvoir prendre enfin le défi de la Ligue Pokémon. Et maintenant, je pense qu'on est enfin prêt. On va retourner à la Ligue Pokémon et cette fois-ci, on va gagner, vaille que vaille. On se retrouve devant Olga qu'on avait déjà battu. Alors, Olga nous envoie son premier Pokémon qui est le Nidoking. Nidoking qui nous avait donné un peu de fil à retordre au début, je vous rappelle. Mais cette fois-ci, on est prêt. On a les mêmes niveaux plus ou moins qu'eux, même parfois plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si elle est niveau 52 avec son premier Pokémon, c'est-à-dire que les Pokémon à la fin sont beaucoup plus puissants. On va lancer avec un sport. On va essayer de pas trop l'utiliser, mais ici ça servira avec le Nidoking est un de ses Pokémon les plus puissants. On va l'endormir. Et ensuite, on va essayer de choper un coup de surf. Alors, il a blabla dodo, donc ça veut dire qu'il peut quand même attaquer même s'il dort. On va faire surf. On espère juste qu'il fasse pas feu sacré et qu'on soit pas brûlé par feu sacré. Avec un peu de chance, ça devrait bien se passer. Il dort profondément. Est-ce qu'il utilise blabla dodo? J'imagine que oui. Blabla dodo, pas feu sacré. Pas feu sacré, pas brûlé. Ils disent encore. Ça m'arrange. Ils disent encore, c'est-à-dire qu'il va forcer Siegfried à refaire son attaque. Et comme Siegfried a lancé surf la dernière. À la dernière attaque, il va relancer Surf, ce qui fait qu'il va tuer le Nidoking. Super efficace. Nidoking qui tombe, Siegfried qui va gagner 2100 et des XP. Il passe presque niveau 55, il va envoyer un Magnéti. Alors Magnéti, on va rappeler Siegfried. Et on va envoyer Licata aussi. Parce que Licata, il attaque Sol. Et avec Tunnel, il peut one-shotter le Magnéti, comme on l'avait fait à la fois précédente. Il envoie le Magnéti, c'est parti. Nous, on fait Tunnel. On s'enterre. Go, Licata creuse un trou. Magnéti utilise feuille magique, on s'en sort bien. On esquive. Licata qui augmente la vitesse avec turbo. Le Tunnel qui touche. Le Magnéti KO. On s'en sort encore très très bien, franchement. Premier combat, ça va aller. Ce qui va vraiment nous bloquer, c'est peut-être encore le Dratak suivant. On verra. Il envoie un l'Euphorie. Alors, l'Euphorie, il est faible attaque de type combat. On a du combat avec Peltals. Je pense qu'il faisait très très mal à Peltals. Je me souviens plus. Il y a un Pokémon physique qu'on va prendre, peut-être Daffy. Daffy va se sortir, je pense, contre Euphorie. Daffy go! Renard s'en serait bien sorti aussi, remarquez. On aurait pu envoyer moi Funar Gaming, mais on va y envoyer un Mégacorne. Ça devrait piquer. Apparemment, elle a presque pas de défense physique, donc elle va fondre. Moitié de ses PV qui sont perdus. Il reste un tout petit bout de PV. Il lance Octazooka qu'elle rate. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on va lui lancer un Becvri qui est plus précis. On va lui faire un peu de PV. Et ensuite, s'il faut, on refera un deuxième Mégacorne. Parce que le guérison, il tombe. Le guérison qui tombe, bien sûr. Le sac à PV que l'Euphorie, c'est une dinguerie. Heureusement qu'on sait qu'on doit taper dans le physique pour la tuer. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Becvri qui lui fait perdre la moitié de ses PV. Ouh, c'est-à-dire qu'on peut refaire un deuxième Becvri et c'est bon, normalement. Deux Becvri, là, l'Euphorie qui part. Ça c'est fait, c'est une bonne chose. Le Euphorie KO. Daffy gagne de l'XP. Il y a un Marc à crin. Alors Marc à crin, faibles attaques combat, faibles attaques feu. Donc on va envoyer Teltals. Je crois que Teltals ici est le plus indiqué, je crois. Vas-y Teltel. Daffy revient. Vas-y go Teltel. Teltals. Teltals qui va défoncer le Marc à crin. À coup de pied, bouche enflammée, bien sûr. Le Marc à crin qui a intimidation, mine de rien. Pied-bouche! Pied-bouche de Teltals qui passe tout seul. Le Marcacrin qui tombe KO. Ça passe tout seul, c'est nickel. Il y a son Mewtwo, je pense, qui est costaud. Alors Mewtwo, j'étais regardé ensuite la rediffusion. Il a quelques attaques physiques, une attaque de soin. Donc si on envoie Amandine, normalement ça devrait bien se passer. Mewtwo est envoyé par Artisan Robin. C'est marrant qu'elle ait 5 Pokémon. On va lui faire un crochet venin. Mewtwo lance le coq. Il a donc ouais, un sort de soin. Et il a aussi des sorts d'attaque mais qui tape sur le normal. Donc du coup en fait il peut pas nous toucher. Et en plus il est empoisonné direct, on a eu de la chance hein. Là franchement, meilleur run qu'on a eu. Elle relance le coq, elle va lancer le coq en boucle j'imagine. Mais le poison va être de plus en plus puissant, ce qui fait qu'elle va prendre de plus en plus de dégâts. J'ai envie d'économiser mes crochets venins. Le crochet venin est quand même une bonne attaque. On s'empoisonne gravement, donc ça pourrait nous servir sur la suite. Là, je vais essayer de pas perdre tous mes crochets venins contre Zinzolin. Peut-être taper 2-3 le coq, de toute façon on a des potions, je veux dire. Donc on va attendre qu'il
qui termine ses pépés de coq et que le poison le one shot quasiment. Après il y a encore une guérison je pense hein. Donc vraiment il faudra quand même mettre une attaque quand ses PV sont presque à zéro. Bah, je vous ai passé une grande partie, en gros il a spammé E-Coq pendant toute la game. Littéralement, moi j'ai spammé E-Coq aussi pour limiter l'utilisation de mes crochets venins. Ici normalement il devrait souffrir du poison et presque mourir. J'espère qu'on va pas utiliser une guérison derrière. On y est presque hein. Ah il va utiliser la guérison va tomber hein. Normalement on a presque plus de coq hein, parce que c'est 10 PP. Normalement E-Coq il devrait plus trop en avoir. Par contre le poison disparaît du coup, c'est vraiment ce qui me donnait l'avantage contre son Mewtwo. Après il peut rien faire à part se soigner donc on est bien, ouais voilà, les Zuko qu'on a presque tout utilisé. On a économisé pas mal les crochets venins, on va balancer un extra ascenseur. Triple attaque, vous voyez la triple attaque qui n'affecte pas Amandine. Et je pense que maintenant de toute façon il a plus du tout de quoi me taper, il a plus du tout de quoi se soigner. Donc ça va partir tout seul, hein. Je pense qu'on va le battre assez facilement maintenant. On va essayer de le taper à coup de crochet venin et de l'achever avec ça. Ah là il a Uppercut aussi donc il a vraiment des attaques physiques. Donc il peut rien contre Amandine en fait, il savait que se soigner en attendant que ça passe et le poison qui retombe. Donc là c'est fini, il est condamné, vraiment on va juste faire baisser ses PV petit à petit et il est foutu. Ses PV commencent à diminuer, je pense qu'il reste qu'un seul tour après celui-ci. Ouais, il va encore résister un tout petit peu, on va balancer un dernier extra ascenseur parce qu'on a beaucoup de PP. Il va balancer un triple attaque qui nous fait rien. On va l'achever avec cet extra ascenseur. Si jamais extra ascenseur l'achève pas, de toute façon, le poison le fera. Et j'en ai vaincu le gars. C'est déjà une première chose de passer. Ça dégage. Et je pense qu'on a même perdu le moindre PV sur cette action. Donc ça, c'est bon. Amandine qui prend un peu d'XP. On a battu Robin, l'artisan. Ça devait pas se passer comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Merci pour ton argent, j'en ai plus. Ça tombe bien. Tu sais te battre, c'est bien. Mais la Ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. On va voir ça. Alors oui, effectivement, j'avais fait le malin la dernière fois et je me suis fait péter par Aldo. Je pense que tous mes Pokémon sont soignés. On va commencer avec Siegfried en premier parce que c'est Siegfried qui a l'avantage contre son premier Pokémon. Si mon souvenir est bon, Siegfried qui va lancer les combats. Ah, t'es revenu pour la revanche. Petit couillon, je vais encore t'éclater la gueule. Je me suis entraîné ce coup-ci, boyard. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas voir qui je vais faire du yaourt. Ton Drattak qui va finir en archer par meurtrier. Un combat est lancé par Artisan Marshall. Par le fameux Artisan Marshall de la Ligue, bien sûr. Il envoie un Krabos. On va lui envoyer un point éclair. Parce qu'il a pas de point, Siegfried. Mais c'est pas grave, il défonce quand même des culs. C'est super efficace. Krabos qui balance un mur lumière. Mur lumière qui est pas efficace contre les attaques de Siegfried, car il attaque ici sur le physique. Donc le mur lumière ne sert strictement à rien. Il va se prendre un point éclair dans la gueule et il va tomber KO. C'est fini pour Krabos. Et je pense que Siegfried va prendre masse XP ici, et je pense qu'il va même prendre son niveau 55. Effectivement, il prend son niveau 55. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il appelle un Psychoquack. Non, on change pas de Pokémon. Siegfried peut très bien gérer Psychoquack avec un point éclair. C'est parti, point éclair. On voit encore que ces Pokémon sont quand même plus haut niveau que les miens, donc j'ai pas trop exagéré sur la montée de niveau. J'aurais pu, mais ça prenait déjà un temps de fou. Il a résisté. Comment c'est ça qu'il a résisté avec son Pokémon dégueulasse? Défense secrète qui baisse de beaucoup à cause du grincement. Ouais, on va continuer à lui faire des points éclairs. S'il utilise de toute façon ses potions sur Psychoquack, ça m'arrange, en vrai. Parce que, en vrai. Oh, par contre, il peut paralyser secrète. Tarakosov, c'est quand même super efficace. En fait, l'idéal, c'est qu'il crame ses potions sur son Psychoquack. Tu vois qu'il est nul. Et comme ça, au moins, il aura plus de potions pour son Drattak. Secrète va prendre 2-3 baffes, mais c'est des. C'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Drako souffle. Puis j'ai tiré une potion à la fin. Hop là, mur lumière de l'ennemi prend fin en plus. On va lui balancer un surf. Pour lui baisser ses points de vie à la dernière limite. Voilà, il va être obligé de taper une guérison. On prend un Drako souffle. Mais c'est pas grave, on va quand même taper une guérison aussi derrière. Comme ça au moins le combat est juste. En plus il est paralysé, donc c'est le moment. Donc il tape une guérison, je tape une guérison. Logiquement. C'est legit. Les PV de Siegfried sont restaurés. Lui aussi tape une guérison logiquement. Exactement, nickel. Il y en a une deuxième. Si vous voulez faire craquer la deuxième guérison, ce serait nickel. On va essayer. On met le point éclair. Ouf, beaucoup plus gros dégâts. Finalement, le mur de lumière faisait peut-être quelque chose. Ah ouais, peut-être que les points électriques n'étaient pas encore sur le physique à cette époque-là. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Ah, de ce fait, alors, point éclair serait spécial. Ce serait étonnant. Normalement, voilà, là, il va taper le deuxième
guérison sur son petit peu de couac. Si j'ai de la chance. Non, il n'a pas tapé. Ok, d'accord. Ça, c'est dommage, par contre. Ça veut dire qu'il y a toujours une deuxième guérison en magasin. Et ça, c'est un souci. Ça, c'est un souci, mais bon, on va faire avec. Pas très grave. Il envoie Skelenox. Contre Skelenox, on peut garder Siegfried. Je crois que Siegfried a perdu pas mal de défense à cause de grincement. Skelenox, c'est un Pokémon Spectre. Ouais, Teltaz a pas mal de résistance, donc il pourra se démerder. Peu importe ce qui va être envoyé. On va envoyer Teltaz. Il envoie Skelenox. On va y aller à coup de pied brûleur ou tincelle. Bon, à coup d'étincelle, hein, je pense. Les attaques ne fonctionnent pas de toute façon. En plus, Teltaz a quand même un aimant sur lui qui commence à... Oh, bordel. Il fait pas de dégâts. Teltaz a pas de dégâts. Teltaz est costaud, mais il a vraiment zéro dégâts, quoi. Après, Écume, il fait rien non plus, donc ça va être un combat d'attrition. Et je pense qu'on va le gagner, ce combat d'attrition. Il est paralysé en plus de ça, donc... 4 coups et il est KO. Peut-être qu'il va taper du coup son deuxième guérison sur son Skelenox. Ce serait pas une mauvaise chose pour nous. Hein. Ah, c'est plus la même chose là, Aldo. Hein, tu fais moins le malin maintenant. La paralysie du Skelenox. L'étincelle de Teltaz. Coup critique. Il tombe KO. Franchement, ça m'aurait arrangé qu'il passe pas de coup critique et qu'il tape son deuxième guérison ici. Et il envoie son fameux Drattak qui nous a pété la gueule la dernière fois. On va continuer avec Amandine, parce que c'est Amandine qui a eu plus de chances de le vaincre. Teltaz revient, on envoie Amandine, go! Parce qu'il n'a pas d'attaque qui touche Amandine quasiment, à part son truc psy là, son vague psy. Alors en fait, il faudrait juste que son vague psy ne rende pas confus. Si son vague psy me rend confus, je suis dead. Dans Slam, ça m'arrange, parce qu'en fait, taper sous le physique sur Amandine, ça ne sert à rien. Il fait un deuxième extra-ascenseur, et derrière son baston ne me touche pas, parce que je suis spectre. Au final, Amandine l'aura carry, hein. Rafale Psy, voilà, le Rafale Psy. Si maintenant la confusion passe, je suis dans la merde. La confusion n'est pas passée. On a gagné. Le Drattak qui est tombé, là, c'est bon. Le Drattak qui est tombé, c'est nickel. On prend l'XP. Il va envoyer un Suicune. Pokémon de type... Oh, qu'est-ce qui est efficace contre le type? Oh, on a Teltaz, on a Licata qui a un point d'art, on a Teltaz qui a étincelle, et on a Siegfried qui a point éclair. On va envoyer Licata avec son point d'art. Gros combat, hein. C'est la revanche, les gars. Il a un Suicune en plus, il a des bons Pokémon. Il fait échange, je sais plus ce que ça fait échange, je crois que ça échange les attaques. Ma capacité spéciale. Il a pris mon turbo, du coup j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai à la place de turbo? J'ai de la merde, j'imagine. Oh bordel, de la turbo, le con. Je sais même pas ce que j'ai, du coup, comme... Je ne sais même pas ce que j'ai comme attaque, du coup. Il a Bull Rock. Bull Rock, c'est bien. Parce qu'on résiste. Licata va pouvoir faire qu'une bouchée de Suicune. Mais la Suicune Drattak. Quand même, hein. Quand même. Au hasard, il a des bons Pokémon, hein. Coup critique de Licata, super efficace Licata qui fait un travail formidable. Licata qui fait un travail formidable, je pense encore deux points d'art et ça passera tout seul. Le truc c'est que derrière je pense qu'il a encore une guérison. Donc ouais, je suis pas sûr qu'on le tue ici. Peut-être qu'il faudra pas encore une petite barre de PV en plus, il y a des chances. Après s'il fait que des bull rock, franchement c'est tranquille. Coup critique en plus, donc ouais là il va utiliser son guérison, ça tous les coups. Ah, c'est le guérison qui tombe. On va devoir se refarcir la barre de PV petit à petit. Et j'ai l'impression qu'il a que Bull Rock, donc il sait pas faire grand chose de plus. Ça va passer tout seul. Ah, Licata qui a tout tanké. Il a tanké tous les Bull Rock possibles imaginables. On se retrouve de nouveau avec presque plus de PV. Suicune qui rate son dernier Bull Rock. Je l'ai même pas soigné une seule fois. Licata a franchement géré. Son combat, il prend son niveau 55 du coup avec ça. Tout comme Siegfried. Nickel. Licata pour niveau 55. Prend pas mal de stats quand même, 115 d'attaque. Vous avez battu Artisan Marshall, on a enfin battu Aldo, Conseil des 4. La revanche. Pourquoi? Et mes muscles alors? Tes muscles, ils ne valent rien contre mes Pokémon. Il nous file 5600 dehors. Merci, c'était mon argent qui m'avait pris d'ailleurs. Et Siegfried évolue en plus. Et il le mérite, hein, franchement. Il le mérite amplement, il a fait du bon travail. Hein.
qui devient un magnifique Dracolos. Regardez-moi ce Casimir obèse qui vole. Oh, il est beau en plus sur cette version. Il est si beau. Votre Siegfried évolue en Dracolos. GG Siegfried. Siegfried tente d'apprendre. Attraction. Il avait ce joli sourire. Il était beau gosse. Il veut rester beau gosse. Non, on va pas apprendre attraction. C'est de la merde. Lickata aussi qui évolue en même temps. Sur le combat de la revanche, on a Lickata et Siegfried qui évoluent, c'est beau ça. Qui devient... Oh, Astiran aussi, je suis le Pokémon de Zinzin. Un Pokémon qui mange des montagnes entières. Ça n'a aucun sens. Et bim! Félicitations, votre Lickata évolue en Tyranossif. Oh, ce Pokémon. Bien joué, ton prochain adversaire t'attend. Il va prendre cher, le prochain adversaire. Alors, à la place de Joli Sourire, Siegfried a Anti-Bruit. Anti-Bruit qui bloque toutes les attaques de son. Ouais, je préférais Joli Sourire, mais écoutez, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est Stat, par contre. Et Lickata... Lui, il a piège, je pense. Ouais, empêche la fuite. 170 d'attaque. Ah ouais, il va péter des gueules, hein, Lickata, maintenant. Ah, c'est fini, là, ça rigole plus. Hein. Là, je pense qu'on va rouler sur les autres. Enfin, j'espère. Je dis ça, mais ça se tombe, Karma va encore toucher. Je vais laisser Siegfried devant. Je crois qu'il a de bonnes chances de gagner. Et on arrive devant le membre suivant du Conseil des 4, qui est Agatha, maître des spectres, normalement. Je suis Agatha du Conseil des 4. Chêne, mise de grands espoirs sur toi. Sais-tu que ce vieux machin était jadis beau garçon? Enfin, il y a très longtemps. Il est défraîchi. Et toi, mamie, tu penses que t'es encore fraîche? Il veut juste frimer avec son Pokédex. Mais c'est stupide. Les Pokémon servent à combattre. D'ailleurs, le combat qu'on voit au tout début de la version rouge, on voit un Nidorino qui se bat contre un Ectoplasma. Le Nidorino, c'est celui de Chêne. Et il se bat contre l'Ectoplasma d'Agatha, d'ailleurs, notamment. C'est stupide, les Pokémon servent à combattre. Joe, je vais te montrer comment les grands dresseurs combattent. Vas-y, mamie. Moi que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Qu'est-ce qu'elle a, Agatha? Mystère. Hein. Là, par contre, on est en terrain totalement inconnu. Artisan Marceus. Il va un écrapince. Ça va. Siegfried va lui rouler dessus. Il va lui point foudrer la tronche jusqu'à l'infini. Le point éclair qui tombe sur la tronche du l'écrapince. Ouh, one shot. Ah, Siegfried, c'est fini. Peau dure de l'écrapince qui blesse Siegfried. Siegfried, c'est fini, c'est un monstre. C'est une machine de guerre maintenant. Il m'a envoyé un simularbre. Contre simularbre, on peut garder Siegfried. Siegfried a surf, donc ça va, ça le fait. Il envoie un simularbre. On balance surf. Surf qui fait de lourds dégâts au simularbre quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Balance croissance, ça augmente sa défense, son attaque spé, sa défense spé si je ne m'abuse. Juste son attaque spé? Ça a changé. L'attaque a changé à un moment. C'était pas ça avant. Avant c'était qu'une stat, maintenant c'est deux stats différentes, je crois. C'est son attaque et son attaque spé maintenant. Les attaques dans Pokémon ont tellement changé dans les générations. Le simularbe qui part, allez ça dégage. Ça dégage. Pokémon Roche qui fait semblant être une plante. Il envoie un Tyranocif. Alors Tyranocif, oui, on va changer. On va changer parce qu'en fait Tyranocif est deux fois faible aux attaques combat. Parce qu'il est ténèbres et il est roche. Et l'attaque combat, Telltales en a une. C'est un des seuls à avoir une attaque combat. Donc on va retirer Siegfried, on va envoyer Telltales. Telltales. Donc deux titans de roches colossaux qui vont se combattre l'un contre l'autre. Niveau 57. Stratopercute qui combat. Il envoie Macpunch. Macpunch qui est aussi 4 fois efficace contre Telltales. Attaque combat contre attaque combat, quadruple faiblesse combat. Le stratopercute qui passe, qui lui explose le cul. Telltales qui one-shot le Tyranocif. Le Tyranocif qui part au cimetière directement. Il a fait le malin pas longtemps. Aspico qui va être envoyé. Bon, on va envoyer Daffy. Hein. Daffy elle mange des vers. C'est un oiseau. C'est un poulet. Daffy. Daffy qui va faire qu'une bouchée du Aspico. Un Aspico niveau 53, mine de rien. C'est pas rien. Ça, c'est le problème. Hein. C'est que du coup, ils ont des Pokémon ultra balèzes qui n'ont aucun sens. Et derrière, des petits Pokémon tout pourris. Après, le problème, c'est que les attaques sont tellement random. J'ai pas gagné une seule bonne attaque depuis plusieurs épisodes. Et on voit Flagados. Flagados, il est OUPSI.
Donc on peut laisser Daffy. Daffy va le tuer à coup de Megacorn. Parce que Megacorn est très efficace contre les Pokémon de type Psy. Le Megacorn qui passe. Est-ce que c'est le one shot? Et c'est pas le one shot, mais c'était presque. Plagados m'envoie Lumi-Éclat. C'est quoi ça? Je sais pas du tout c'est quoi cette attaque. Je sais pas ce que c'est. C'est super efficace par contre. Du coup, Daffy prend cher. Et ça baisse sa défense P. Si elle se prend encore un autre Lumi-Éclat, elle meurt. On va envoyer. On va envoyer un Bec-Vrille. Et derrière, on peut faire un Empalcorn. Par contre, si le Megacorn rate au tour d'après, Daffy meurt. Donc, Daffy, si tu rates ton coup ici, c'est fini pour toi. Il faut que tu réussisses ton Megacorn juste derrière. Si le Megacorn ne passe pas, tu meurs. La pression, Daffy, la pression qui monte. C'est dans ces moments-là que tu sais que tu joues ta vie. Daffy utilise Megacorn. Ça passe. Le Megacorn qui passe, c'est normalement le Flagados qui va tomber. Non, il tombe pas. Il tombe pas, pourtant. Pourtant, j'étais sûr que ça passait. J'aurais dû faire un Lance-Lame. Ah, Daffy, c'est ma faute. J'étais un mauvais dresseur. Tu vas décéder. Oh, du Lumi-Éclat. Daffy qui tombe. Ah, oh, c'est moche ce qui se passe. Ah, oh, c'est moche. Désolé, Daffy. J'ai pas assuré. J'espère que tu m'en veux pas. Alors, on va envoyer Lickata, du coup. Lickata qui a quand même... qui a quand même son point d'art. Oh, ce Pokémon, regardez-moi ça. Point d'art. Point d'art qui commence à manquer de PP parce qu'il a quasiment utilisé sur Suicune, d'ailleurs. Le point d'art qui est super efficace. Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser d'autre à part ça? Pas grand chose, hein, j'ai pas l'attaque ténèbre malheureusement. Le point d'art qui fait quand même de bons dégâts. Je pense que Lumi-Éclat c'est Psy du coup, vu que ça fait des gros dégâts à Daffy. Deuxième point d'art qui passe. Il utilise Pico. Pico qui est complètement inutile parce que ça sert qu'on change. En cas de changement de Pokémon, ça fait perdre genre 12% des points de vie. Lickata a presque plus de points d'art en tout cas, donc ça va être compliqué pour lui d'en relancer. Je crois que j'ai encore une huile là, qui traîne dans mon inventaire. Je crois à la limite lui rajouter quelques PP. Oh oh, pas mal, tu as du talent. Et il me file son pognon. Merci mamie. Je vois pourquoi le vieux Shen t'apprécie autant. J'ai rien à rajouter, tu peux passer. Bon. J'ai sonné tout le monde, on continue avec Siegfried en lead et on est à la dernière salle du Conseil des Quatre. Après, il restera le maître à battre, qui sera le maître, ouh, surprise. Et ici, on est face à le fameux, comment il s'appelle encore, Peter, le livreur de dragon, qui vient de Johto, on l'apprend un peu plus tard, qui vient de Kanto, non, c'est de Johto, il vient de Johto, et c'est là-bas qu'il a appris à maîtriser les dragons, avant de devenir un membre du Conseil des Quatre. Enfin, j'ai entendu parler de toi, Joe. Je règne sur le Conseil des Quatre, mon nom est Peter, le dresseur de dragons. Les dragons sont des Pokémon mythiques. Les capturer et les entraîner est difficile, mais leurs pouvoirs sont supérieurs. Ce qui est marrant, c'est que dans la version normale, il a un Dracaufeu, qui n'est pas un dragon. Il a un Léviator, il commence avec un Léviator, qui n'est pas un dragon. Il a deux Draco et il a un Dracolos. Et il a un Ptera. Donc la plupart de ces Pokémon ne sont même pas des dragons. Ils sont presque invincibles. Le glas de la défaite et de la honte sonne pour toi. Quasiment tous les Pokémon dragons du jeu sont 4 fois faibles au glas, donc la glace les défonce. Et en plus, ils ont rajouté derrière le type fée qui les explose complètement. L'entends-tu, Joe? J'entends aucun glas. J'entends juste ton propre requiem. Joe qui fait le malin encore, c'est je reprends de la confiance, là. La confiance revient. Artisan Cristal. Artisan Cristal. Il envoie un Solarok. Un Solarok est un Pokémon Psy et Roche, donc il est faible à Surf. Vas-y Siegfried, balance lui de l'eau dans la gueule. Surf qui lui fait perdre beaucoup de points de vie, Siegfried qui fait des gros dégâts. Solarok qui lance Cage Éclair pour paralyser Siegfried et diminuer sa capacité à se déplacer. Donc ça va diminuer fortement sa vitesse, ce qui fait qu'il va sûrement attaquer deuxième. Il utilise un Guérison en plus de ça. Donc il claque déjà sa Guérison dès le départ. Guérison c'est fort. Guérison, c'est très très fort. Il va peut-être falloir en claquer un deuxième, du coup, si tu veux gagner ton Pokémon, mon coco. Solarok utilise Brume, donc il enlève tous les effets sur lui, ça ne sert à rien. Donc il a voulu sauver ce Pokémon qui n'avait pas d'attaque intéressante à part Cage Éclair. J'espère que Siegfried, ça va paralyser. Il lui envoie un Surf, ce qui fait que le Solarok tombe. Siegfried paralysé, malheureusement, ne sera plus forcément extrêmement utile pour la suite. Donc, je pense qu'on va le rappeler. On prend 1800 d'XP.
Il m'envoie un pomme de pique, un Pokémon insecte. Donc le mieux contre ce Pokémon insecte, c'est d'utiliser Daffy. Je crois que Daffy est mon meilleur espoir ici. Daffy, je suis désolé pour le match précédent, j'espère que tu m'en as pas voulu, mais j'ai de nouveau besoin de toi. Vas-y Daffy, au combat. Il envoie son pomme de pique, on va utiliser dans Slam, il est 58, c'est son Pokémon le plus puissant. On va utiliser dans Slam, c'est ce qu'on aurait utilisé au tour précédent. On augmente de 2 niveaux l'attaque, ce qui fait que Daffy va taper comme une brutasse avec ça. Il envoie Cage Éclair, ce qui fait qu'il paralyse Daffy. Daffy va perdre beaucoup de vitesse malheureusement, donc du coup elle pourra moins bien profiter. En plus avec Synchro, elle a évolué, elle a eu Synchro. Et donc du coup lui aussi est paralysé. Ça lui coûte cher, ça lui coûte cher, on balance dans Slam. Est-ce que du coup quand il va changer de Pokémon, l'autre Pokémon va aussi se bouffer la paralysie? Je sais pas du tout, j'en sais rien. Il utilise Tornade qui est très efficace contre Daffy. Est-ce que Daffy va réussir à tanker? Daffy tank super bien, ok. On va réussir à placer une troisième dans Slam éventuellement. On a trois dans Slam. Trois dans Slam, c'est-à-dire que maintenant Daffy va exploser le cul des adversaires avec une violence rare. Elle se prend la Tornade. Elle se prend la Tornade, mais ça va, elle la tank plutôt bien. Et Daffy va lancer un Pégri qui va être super efficace. Elle est paralysée. La paralysie qui touche Daffy, malheureusement. Pomme de pique est paralysée aussi. Tous les deux sont là en mode. En train de faire le arm shake sur le sol. Envoie Pégri, vas-y Daffy, le one shot. Mais non, Daffy va sweep, elle a 3 niveaux de Dance Slam. Je crois que je vais la garder, parce qu'avec ce 3 niveaux de Dance Slam, je pense qu'elle peut exploser le fiac d'à peu près n'importe qui et de n'importe quoi. Même si elle est paralysée, tant pis, elle pourra peut-être quand même tanker une bonne attaque, je pense. On va lui faire confiance là-dessus. Daffy gagne de l'XP. Et on va un Tarsal, là, on va garder Daffy. Tarsal qui est un Pokémon psy et fée, mais le Pokémon de type fée est pas encore arrivé. Je pense qu'on l'explose avec une méga corne, c'est peut-être même overkill. Il fait malédiction qui baisse sa vitesse et qui augmente son attaque et sa défense, si je ne m'abuse. C'est ça, mais ça ne te sauvera pas. Car tu vas te faire one shot la gueule. Méga corne super efficace avec 6 niveaux d'attaque en plus, c'est fini pour le Tarsal. Daffy va les déglinguer. Vas-y Daffy. Daffy qui se nourrit de la vie de ses adversaires. Malédiction, ça change de type. Si on a un type spectre, ça devient une attaque qui enlève la moitié de tes points de vie et qui enlève le quart des points de vie aux ennemis. Il envoie un Dratak. Il y a un deuxième Dratak. Écoute Daffy, t'as 3 niveaux de Dance Slam. Je pense que tu peux y arriver. Envoie ton meilleur Pégri, je pense. Dratak utilise Dance Slam. Il a aussi Dance Slam. Où ça risque de faire mal par contre. Hein. C'est le même Dratak. Il a les mêmes attaques en fait. Et on voit le Pégri. La Daffy va lui faire très 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 mal, je pense. Elle le one shot. Oh. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dance Slam. 6 niveaux d'attaque sur Daffy qui lui permet d'exploser n'importe quoi, n'importe comment. Elle a explosé le Dratak. Vous voyez, moi, ça, quand si on avait utilisé ça contre Aldo plutôt, je pense qu'on aurait pu gagner. Et là, un dernier Pokémon qui est un Ambrilex. On va pas changer de Pokémon. Regardez Daffy. Ces 6 niveaux d'attaque vont bien suffire à le déglinguer. Niveau 60, c'est ça son plus fort Pokémon. Normalement, voilà, son Dracolosse est niveau 60. Ambrilex à corps perdu, attaque combat. Mais normalement ça va bien se passer pour Daffy, elle va survivre. Elle est paralysée 2 fois, pas de chance. Il y a une chance sur 4 pour qu'elle soit paralysée à chaque tour. 2 fois d'affilée, ça fait 1 sur 4 fois 1 sur 4, c'était une chance sur 16 pour que ça arrive. La méga corne qui passe, et normalement l'Ambrilex qui tombe. Et c'est la fin du conseil des 4. Coup critique en plus. L'overkill de Daffy qui est total. Il récupère de la vie Golokok bien sûr. Le Golokok qui fonctionne bien sur Daffy parce que... Étant donné qu'elle fait beaucoup de dégâts, elle récupère énormément de points de vie. Et on a battu Peter, le dresseur de dragon. Incroyable! Tu as bien mérité le titre de maître Pokémon! Joe remporte plein de thunes! Comment mes dragons ont-ils pu succomber à tes attaques? Bah, j'y frappe plus fort. Si tu penses que la violence ne résout rien, c'est que tu tapes pas assez fort. Joe, tu es désormais le maître de la Ligue Pokémon. Enfin, pas tout à fait. Une épreuve doit encore t'être imposée. Un grand dresseur t'attend, son nom est... Disgrâce! Comment ça? La disgrâce! Elle a vaincu le conseil des 4. Comment est-ce qu'une disgrâce a pu gagner? Elle l'a fait avant moi en plus. C'est le vrai maître de la Ligue Pokémon. Comment ça c'est le vrai maître de la Ligue Pokémon? Je vais lui apprendre moi la disgrâce, c'est qui le maître de la Ligue Pokémon? Et le maître de la Ligue Pokémon, c'est moi. Bon. On a soigné tous nos Pokémon, on continue avec Dracolosse devant. Avec Siegfried, Siegfried a été devant tout le long de la ligue, il mérite sa place de lead de l'équipe. Et on se retrouve face à la disgrâce. Salut Joe, je t'attendais depuis longtemps. Ton devoir en tant qu'adversaire est d'entraîner mes Pokémon. En améliorant mon Pokédex, j'ai cherché des Pokémon surpuissants
J'ai ainsi créé une équipe ultime, efficace contre tous les types de Pokémon. Ça t'épate, hein? Je suis le maître de la Ligue Pokémon. Pas pour longtemps, disgrâce. Même ton grand-père ne veut pas de toi dans la Ligue Pokémon. On n'imagine même pas. Tu sais ce que ça veut dire, que je vais encore niquer ta sœur? Écoute ça, minable. Je suis le dresseur le plus puissant du monde. Il est temps de remettre la disgrâce à sa place. Allez, la disgrâce. Tu n'es qu'un contretemps fâcheux. Il envoie un excellent. Il semble que t'as un Pokémon normal. On s'en serait peut-être mieux sorti contre un Pokémon avec des combats. On serait peut-être mieux sorti qu'avec Siegfried. On peut essayer de le déglinguer à coup de point éclair. Point éclair de Siegfried directement dans le bidou de l'Excellang. L'hypercut électrifié. Qui disent aile d'acier, aile d'acier. Je sais pas où t'as des ailes, mais tu peux faire semblant. Surf, éventuellement, peut-être que Surf fait plus de dégâts. Il récupère de la vie, comment? Il a Absorbo. Il a Absorbo! Il a Absorbo, c'est trop fort! Ça veut dire que si jamais je lui envoie une attaque, oh, il récupère 50% de ses PV, c'est super fort! Absorbo, il y a très peu de Pokémon qui l'ont. Absorbo, on le trouve sur Marest, notamment. C'est pour ça que Marest est un Pokémon pas trop mauvais en stratégie. Il contre pas mal de Pokémon flotte à cause de ça. Donc si on a beaucoup de faiblesses ou dans une équipe, on met un Marest pour dire de contrecarrer. De contrecarrer les attaques haut. J'avais fait ça sur une de mes équipes qui était l'équipe qui jouait sur Tempête de Sable. J'avais accumulé énormément de faiblesses haut, donc Marest avec Absorbo rentrait bien vu qu'avec le type sol était résistant à Tempête de Sable. Et en plus, oh, il a Paresse en plus. Ah, il va être chiant. Je vais endormir. On va utiliser Sport, on l'a pas beaucoup utilisé, ça va un peu. On va se remettre un peu. On endort l'Excellang. Et on va absorber ses cauchemars avec Vévorin. Si ça passe pas, à un moment, j'utiliserai Teltaz. Hein. Je pense que c'est lui qui sera le mieux placé pour combattre Dexelang. Je crois qu'il est à l'usure, par contre, parce que le malheur, c'est que Teltaz fait pas assez de dégâts que pour le one-shot, donc... tease Balbrume, Balbrume qui est psy. Ouais, Teltaz est vraiment le Pokémon le plus adapté pour ce combat. Donc, reviens, Siegfried! En avant, Teltaz! Ok, Siegfried revient. Teltaz fonce! Teltaz! L'excellence disparaisse. Après, on aurait pu aussi Brute Force avec Renard. Mais Renard, je le garde en cas de gros pépin. Stratopercute. Ça fait des dégâts. Ça fait de bons dégâts. Il le touchote quand même, mine de rien. Alors qu'il n'a pas l'avantage de niveau. Normalement, le Balbrume le tank easy patate. Il n'est pas très efficace. On lui fait un deuxième stratopercute et normalement ça le tue. Teltaz qui fait un boulot formidable aussi. L'excellent qui tombe KO. Siegfried prend 802 d'XP. Teltaz en prend aussi 802. Et envoie un Drabi. Vous savez quoi? C'est vrai qu'on n'a pas sorti beaucoup Renard. Je pense qu'on peut bourriner le restant de leur équipe avec Renard. Vas-y, moi Fenar Gaming! Moi Fenar Gaming, go! Et on voit Drabi qui est le bibi de Dratak. On va défoncer un coup de Smorang. Ouh. Est-ce qu'il va avoir besoin de deux os? Oui, quand même besoin de deux os pour tuer le Drabi. Le one shot. Fenar qui n'a aucune pitié. Fenar qui est d'une violence incroyable. Il envoie un Galeking. Fenar va n'en faire qu'une bouchée aussi. Moi Fenar Gaming, je crois que tu peux continuer sur Smorang, c'est très efficace sur lui. Premier coup. 4 fois efficace, un seul os a suffi à lui enlever plus de la moitié de ses PV, l'autre moitié part avec le deuxième os. Soit Fenar qui one-shot la team de la disgrâce, qui lui apprend où est sa place, c'est-à-dire à l'eau dans les déchets, dans la benne à ordures. Dardarnian, le premier Pokémon de la disgrâce qui est envoyé. Et vous savez quoi, on n'en change pas une équipe qui gagne, même s'il a plus de niveau que moi. Osmorang, niveau 63 quand même, hein, le Dardarnian de la disgrâce. Ah, Fenar qui rate son attaque, il dit façade. C'est une attaque normale qui fait plus de dégâts si on est empoisonné ou on a un changement d'état quelconque. Mais c'est pas grave, on va quand même le but à coup d'Osmorang. Osmorang qui one-shot Dardarnian alors que c'est même pas super efficace. Moi Fenar Gaming qui est juste une brute de combat, une brute épaisse avec Coloforce.
qui explose n'importe quoi. Il fait comme dans Batman, quand Bane chope Batman et le prend et le casse en deux par le dos, comme ça, en tapant son dos contre son genou. 123 d'attaque, x2. Faut oublier que moi, Funar Gaming, il a quand même 246 d'attaque, ce qui est gigantesque. C'est juste un monstre, en fait. C'est pour ça que j'ai pas trop eu envie de l'utiliser au début, il est juste trop fort. Allez, on va rebalancer un Osmorang. Normalement, Écremeux, ça tanque super bien. Voilà, Écremeux, ça absorbe du dégât, hein. Touché deux fois. Écremeux qui prend les dégâts, il envoie pilonnage, il rate son attaque. Funar qui esquive, en plus d'être fort. Il esquive les attaques, point comète. Funar en mode Mouda. Le coup critique, le Mouda. Le Mouda qui tape trois fois. Écremeux qui dit chargeur. Je sais pas, elle charge ses piles pour faire du électrique, je sais pas ce qu'elle va foutre, mais elle, en tout cas, elle le fait. Elle se met à charger son énergie. C'est trop tard, Sangoku. C'est pas la peine de vouloir devenir Super Saiyan parce que là, le Funar, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, la guérison! La guérison utilisée par la disgrâce pour soigner le Écremeux. Et le renard qui arrive, full vitesse sur le Écremeux, directement sur son crâne. Et là, bûche! Le bélier! Ma Funar qui se blesse en frappant, mais il a fait quand même des gros dégâts. On recommence avec le point comète. Voilà. Raté son attaque, le Écremeux qui esquive. Le pilonnage qui est envoyé. Ah, ça pique le pilonnage. Hein. Je suis sûr qu'elle utilise son gros fiac pour écraser le visage de Renard. Renard qui se fait écraser par une bête à gros pis. Je suis pas sûr qu'il soit fan de l'idée. Le coup critique sur le premier coup, sur le Mouda. Deuxième coup critique. Oh, Renard qui fait tellement de coups critiques, ça n'a aucun sens. Par contre, il a pas de chance, il peut taper jusqu'à 5 fois. Et s'il a tapé que 2, combat épique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que si on balance un Osmorang et que ça touche, je pense qu'on tue. L'Osmorang qui passe, le premier. L'Écremeux qui est la meilleure Pokémon de la disgrâce. Vache, il est bien tenu. Franchement, tenir contre moi, Funar, ça force le respect. Bravo, Écremeux, t'es un bon Pokémon. T'as fait ton travail. Funar qui prend du P. Le dernier Pokémon de la disgrâce, qui est une disgrâce. C'est un Zigzaton tout nul. Allez, Bélier, coup de boule du renard. Renard qui apprend le respect aux Zigzatons, parce que rentre chez ta mère, elle a fait des gaufres. Moi, je vais voir sa sœur. Zigzaton ennemi, KO. Moi, Funar qui gagne 783 d'XP. Et c'est la victoire. On est maître Pokémon. On a battu la disgrâce. Non, impossible. Mon équipe de rêve est fichue. Non, c'est pas ça sa voix. Attendez. Non, impossible. Mon équipe de rêve est fichue. Après en avoir tant bavé, je me suis fait battre. Et par toi en plus. Mon rêve de gloire a disparu. C'est pas juste. Oh, grand-père allait enfin me reconnaître comme un être vivant. Je remporte tout l'argent de la disgrâce. Quoi? Hein? Moi, pourquoi? J'ai entraîné mes Pokémon à la perfection. Et zut alors, tes nouveaux maîtres de la Ligue Pokémon. Ça me sidère. Chaîne Joe. Joe! Chef, tu as gagné! Félicitations! De toute façon, c'était pas bien dur face à cette disgrâce. Jamais je ne le reconnaîtrai comme un être vivant et comme mon petit-fils. Tout au plus, on peut en faire de compost! Et même là, j'en mettrai pas sur mes fleurs, c'est une disgrâce. Tu es le nouveau maître de la Ligue Pokémon. Enfin, la Ligue Pokémon a un vrai maître. Tu as tant changé depuis ton départ avec Bulbizarre. J'ai eu un Bulbizarre, moi? Mais c'est pas de ça, hein. Est-ce que j'ai eu un but bizarre, les gars? Je sais plus ce que j'ai eu au début. J'ai eu quoi au début comme Pokémon? Joe, je suis fier de toi. Disgrâce, je suis déçu. Mais ça change pas d'habitude. Apprenant que tu avais vaincu le Conseil des Quatre, je suis venu en courant. En me disant qu'enfin tu valais quelque chose. Mais le temps d'arriver jusqu'ici, tu t'es déjà fait battre, franchement. Tu es vraiment une disgrâce. Est-ce que t'as compris pourquoi ton équipe s'est fait battre? Parce que tu pues la merde. C'est pas la faute de tes Pokémon, c'est de ta faute à toi. Tu devrais mettre fin à ton existence. Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec amour. Sans ça, tu ne pourras jamais devenir champion. Shen, Joe, tu as compris ce que tu... que toi aussi, cette victoire, tu la dois à tes Pokémon. Ce lien que tu as créé avec eux est merveilleux. Allez Joe, suis-moi. Il a perdu sa voix de papy parce que j'étais trop occupé à rire, je suis désolé. Oh, la consécration. Félicitations, Joe. Cet étage est réservé au Panthéon des Dresseurs. Les maîtres de la Ligue Pokémon sont consacrés ici.
Et je suis content que tu sois parti en voyage Pokémon parce que pendant ce temps-là, j'ai pu m'occuper de ta daronne. On va enregistrer tes Pokémon dans ce gros appareil pour qu'ils deviennent des célébrités en échange. Je pense que ça vaut le coup. Joe, ton périple fut long jusqu'à la victoire. Oui, ça a été très long comme série. Encore bravo, toi et tes chers Pokémon et tous célèbres. Voilà, mais vous êtes tous célèbres les gars. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Et dans le Panthéon, on a... Siegfried, Dracolos niveau 55. Daffy, un Brazegali niveau 55. Licata, un Tyranocif niveau 55. Amandine, un Ectoplasma niveau 54. Teltals, un Galeking de niveau 56. Et moi, Fenard Gaming, un Fenard de niveau 59. Qui est mon Pokémon le plus puissant de l'équipe, bien sûr. Cette équipe de dieu divin, elle est balèze, hein, l'équipe. Oh la vache. Mais c'est pas terminé. On est maître de la Ligue Pokémon, mais je me pose une question. Quel Pokémon est Mewtwo ? La disgrâce qui s'en va en courant. Casse une disgrâce. Ne t'en fais pas pour mon petit-fils. C'est une disgrâce, de toute façon. Et c'est la fin. Regarde la ligue Pokémon. Oui, c'est moi le maître. Et il se casse. Ouais, parce que Red... Red ne veut pas rester maître de la ligue Pokémon. Red, qui est le personnage ici que l'on voit courir juste là, eh bien, qui est le héros de la version rouge-feu, son but c'est de voyager. Donc, une fois qu'il est devenu maître de la ligue Pokémon, il est parti. Il a continué à voyager à travers le monde pour rencontrer les dresseurs les plus puissants qui existent. Et à la fin, n'ayant rencontré personne de plus puissant que lui, il s'est reclus sur le mont Argenté. Et dans le mont Argenté, il a pris sa retraite. Et tout en haut du mont Argenté, c'est là qu'il a rencontré une personne qui a réussi à le détrôner, vers Silver. Silver qui est le héros de la version or et argent. Et c'est Silver qui a réussi à battre Red tout en haut du mont Argenté, détrônant ainsi Red, qui avait le titre de meilleur dresseur de Pokémon du monde. Et je vous conseille le manga sur Red. Hein, il y a un manga sur Pokémon. Et il est hardcore, par contre, c'est pas pour les enfants. La version rouge. Allez, on va jeter un œil à voir un peu qui est Mewtwo. Ah, vous étiez là ? Ah, désolé, j'étais avec la sœur de la disgrâce. Elle est en train de me faire tout beau. On va dire ça comme ça. Là, c'est fini. Alors, il est beau, hein ? Il est beau, mon gros Pokémon. Hein, et voici donc devant la grotte azurée où il y a les Pokémon les plus puissants du monde. Enfin, du monde. De Kanto, hein. Alors, je suis maître de la ligue Pokémon, donc je peux rentrer normalement. Mais hein. Bon, je suis vraiment désolé, normalement j'aurais dû vous montrer Mewtwo, mais dans cette version de rouge, il faut pas seulement avoir fini la ligue Pokémon, il faut aussi avoir capturé 60 Pokémon du Pokédex National, il faut avoir fait une quête où il faut avoir ramené un espèce de saphir à un certain Sileo. Donc Mewtwo, bah, désolé, ce sera pas pour maintenant, je le ferai pas, parce que j'ai la flemme, j'ai plus envie. Par contre, écoutez, on va quand même se quitter sur un légendaire, on va voir Elector. Et voir un peu la surprise que ça nous réserve, hein. Yahoo ! Comme ça, on se termine sur un petit légendaire. Et le légendaire, ici, ce sera... En plus, c'est un vrai légendaire, c'est un Regice. Un Regice, ça, c'est beau. Qui est un Pokémon légendaire de glace, qui est un des trois golems qui a aidé à bouger les continents lors de la formation de la Terre. Et c'est la Master Ball qui part, les enfants. Car j'aimerais rendre hommage à un des plus grands supporters de la chaîne. Enfin, à une des plus grandes supporters de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va renommer ce Regice. Données de Regice sont ajoutées au Pokédex. Regice est le Pokémon Iceberg. Les scientifiques ont découvert que le corps de ce Pokémon est constitué du même type de glace que celle qu'on trouve au pôle Sud. Et on va donner un surnom à Regice, bien sûr, oui. On va l'appeler Ju. Tu devais être Mewtwo. Mais écoute, tu seras Regice. Merci pour ton soutien indéfectible à la chaîne, en tout cas. Et tu es une légende, ne l'oublie pas. Et une vraie, en plus, c'est ça le pire.
C'est ainsi qu'on sort de la centrale avec en poche un légendaire. Alors, c'est la fin de cette série sur Pokémon. Je suis content que ça se termine parce que la fin était longuette pour moi. À la fin, j'en pouvais plus. La partie entraînement des Pokémon après avoir été vaincu par Aldo, ça a été un enfer. Donc, j'ai plus envie. J'espère que vous avez apprécié la série tout de même. Maintenant, je vais me concentrer sur Tropico à 100%. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vidéos qui sortent pendant quelques semaines, c'est pas grave. Je vais absolument sortir quasiment plus que des narratifs maintenant. Il y aura quasiment plus que ça qui va sortir. Peut-être 2-3 tutos de temps en temps, qui sait. Mais je vais me concentrer à mort sur les narratifs et sur les vidéos avec beaucoup de montage. Donc j'aurai plus l'occasion de faire un épisode par semaine. C'est la fin des un épisode par semaine sur la chaîne. On fera toujours deux lives, donc vous me verrez toujours, hein, y a pas de problème. Mais oui, ce sera plus exactement la même chose, ce sera plus aussi constant. Par contre, je vais essayer d'augmenter la qualité par rapport à la quantité. J'espère que ça vous plaira. Merci à tous ceux qui ont suivi cette série jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, merci à tous ceux qui ont mis des commentaires, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Moi, en tout cas, je vous dis salut, c'était Joe, et salut.